Définitivement? Ah oui. Et il le faut, hein. Et toi, rien de grave? Non, comme ça, je voulais juste te voir pour discuter un peu. Hop là! Ça va? Et ta mère? Reparti? Ah non, pas tout à fait. Je voulais en rose, dis donc. Ah, tu l'as dit, hein. Alors comme ça, tu nous laisses, tu t'en vas définitivement. Ah là là! Bah, il le faut, hein. Dis, t'es pas venu me demander du fric, j'espère. Arrête, ne dis pas que t'as pas besoin de radiocassette, moi t'es pris. Ben non, sincèrement, ça m'intéresse pas. Et si tu veux que je parle au contremaître, il pourra sûrement te prendre. Hein. Comme quoi, comme ravaleur? Ouais. Mais ça va pas, t'es tombé sur la tête, voleur de moutons. Voleur de moutons. Tu me vois, moi, travail. Non mais tant que tu y es, pourquoi pas éboueur? Ne te fâche pas, Dai, tu vas m'attendre ici 30 minutes, après je vais t'offrir, là-bas. Non, j'ai pas le temps, il faut que je trouve du blé, là, tout de suite. Chaud, passe à la maison, voir la vieille, ça lui fera plaisir, là. Hein. Ciao. Passerai. Chaminou! Qu'est-ce que tu veux? Ouvre! J'ai hâte de parler. Écoute, je suis malade et puis il y a du désordre. J'aime pas que tu viennes chez moi sans me prévenir, hein? Ouvre, merde! Je dois absolument te voir! Ça fait 3 mois que t'es pas venu me voir, ni au café, ni ici. J'avais des problèmes, des ennuis d'argent. Je voulais pas t'embêter avec ça. Bon, maintenant ça va, c'est terminé, j'ai trouvé un boulot pendant 8 jours. Qui paie très fort, hein. Alors si tu pouvais... Te dépanner en attendant. Eh bien, compte plus sur moi. Je t'ai déjà dit, je te prêterai plus jamais d'argent. Tu viens jamais me voir que lorsque t'es dans la merde, hein, ou que t'as rien de mieux à faire d'autre. Eh bien, j'en ai marre d'être ta roue de secours. Ah là, tu me vexes, Sucrète. Là, vraiment, tu me vexes. Là, je comprends pas, ça. J'ai toujours eu beaucoup de sentiments pour toi, moi. Je comprends pas. Tu sais bien que si tu me demandais n'importe quoi, je serais toujours là. Eh bien, rends-moi les 1000 balles que tu m'as empruntées l'année dernière. 1000 balles? Je t'ai jamais emprunté 1000 francs. Tu parles dans mon armoire. Eh bien, écoute, j'ai pas de vache. Je te les rendrai en même temps que les 2000 francs que tu vas me prêter maintenant. Hein? Dans 8 jours. J'ai pas d'argent. Les 2000 francs dans 8 jours. Tu dis que je les ai pas. 2000 francs dans 8 jours, je te signe un papier. Oh, pas vrai. Avec un tampon. D'accord. Les 2000 francs dans 8 jours. Non, laisse-moi. Allez, je veux pas, je suis malade. Prends 2000 francs. Alors? Tu me donnes ces 2000 balles, oui ou merde? Puisque je te dis que je les ai pas. Alors combien il te reste? Arrête un peu, tu mens. Oui, je mens. Mais je t'ai dit que je te prêterai plus jamais d'argent. Plus jamais. C'est bien ce qu'on va voir, ça. Crève avec ton fric. Bouffe-le. Qu'on t'enterre avec, hein. Je te prends le journal. J'aime la lecture. Il y a toujours des histoires de mecs plus malheureux que moi. Salut. T'es fou, toi. Moi, me tirer là-bas 6 ans après, sans même une bagnole, sans un sou de côté. Non. Sérieusement, Roger, il faut que tu m'aides. Mais non, mais ce que je t'en dis, tu peux te tirer là-bas pour des vacances, et ça serait déjà ça, ça te changerait les idées. Mais non, putain. Écoute, fais comme si c'était la tienne, de mère. Pour un mec qui veut devenir le bras droit de Monsieur Alain, t'es mal barré. Allez, sois sérieux un peu, Roger. Regarde, je te file une montre Cartier et un briquet Dupont aussi. Et puis ça, en plus, je te laisse cadeau.
planqué. On verra. On verra. Wally, ouvrez. Voilà, voilà. Vous m'enlevez ces vêtements de la fenêtre. Je vous colle un PV. Le voisin d'en bas qui s'est plaint, ça fait déjà 3 fois. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît. C'est de la dame aussi. Elle est ici, cette dame. C'est vous qui la logez ici? Elle n'a pas le droit. Faut qu'elle rentre en Algérie. Chahi Goul? Je lui ai dit que tu n'as pas le droit de te rendre ici en France. Il faut que tu rentres le pays. Rouah? Où est-ce qu'il est rentré? C'est Kaboul, ici. Il n'a jamais passé. Police? هذا بوليسي؟ هذا بوليسي؟ هذا كملت اللي حوسوا عليه البوليسية. البوليسية تاع الصح؟ Alors ça marche hein? C'est pas beaucoup hein. Mais y a un peu plus de paquet. On dit que tu t'arrêtais de me toucher, je la coffre hein. Chahi Goul. Ah, gueule que à la belle que je suis bossé là. Ça a l'air de gazer là, non? Ah ouais, tu l'as vachement impressionné. Hein? يلا خرج يا وجه البقا يا قرنو يا راس الخنفوسه خرج يلا مرد تروحني يلا j'ai fait ce que j'ai pu hein, t'as vu اخرج يلا تبيعك شي انت هنا وهذاك هو الصح في البلاد كنت يسير مليح هذوك ما راك عامل فيها والو انا ما راهوش ظن بلي راك تخدم وحاسبه بلي مراه ولاد اللي حاكمين كهنا هادو 7 سنين انت هنا دوك تدخل معايا البلاد وتتزوج مع خديجه ونسكنها البلاد ما عندها لا سكنه لا والو وهذه سكنه هذه سكنه وتهضر عليها كي ندخل وترقد معايا في البيت ونهار اللي تزوج انا نرقد في الكوزينه بصح خير من هنا واش جبت انا جبت ولد من كرشي باش يروح يرقص في القهاوي ويضحك الناس كي شادي يما دخلي للبلاد نبعث لك الدراهم قد ما تحب كل شهر نبعث لك الدراهم انا ما ندخلش للبلاد غير إذا دخلت معايا ما عندي حتى واحد اللي هي وزيت شكون راح يغمض لي عيني ويقبل عزايا تما قولي شكون يما ما تقبلهاليش بالموت ها